que Passivert, c'est un roman qui se passe dans un monde médiéval qui s'appelle La Clairière. La Clairière, c'est un monde qui est complètement refermé sur lui-même. Il y a une chaîne de montagnes infranchissable qui la ferme d'un côté, une forêt impénétrable qui la ferme de l'autre. Et c'est un monde dans lequel vivent quatre clans. Et chaque clan a un pouvoir particulier. Il y a le clan de ceux qui, dans leurs rêves, essayent de lire les fils du destin. Ça ne marche pas tout le temps. Et du coup, ils ne peuvent pas toujours deviner le destin des hommes. Il y a le clan de ceux qui voyagent avec la nuit. Eux, leur pouvoir, c'est de se fondre dans un coin d'ombre, un peu d'obscurité, et de réapparaître ailleurs dans la clairière. Le troisième clan, on les appelle les magiciens. Eux, leur pouvoir, c'est de faire appel à un esprit de la clairière. Un esprit de la clairière, ça peut être l'esprit d'un caillou, qui sera très faible, ou bien l'esprit d'une forêt ou d'une montagne, qui lui sera très puissant. Le quatrième clan peut, lui, se changer en animal. Ça peut être en ours, en loup, en lynx, en corbeau. Chaque clan vit sur ses terres, il ne se mélange jamais, sauf à chaque solstice d'hiver, où il se retrouve auprès du roi de la clairière, qui est mi-homme-mi-dieu, c'est le fils du dieu de la clairière et d'une mortelle. Il a des grands corps de cerf sur le front, des yeux complètement noirs, la peau d'une blancheur incroyable. Et les seigneurs de clan le retrouvent, jurent allégeance pour une année avant de rentrer sur leur terre. Et ce roman raconte l'histoire de Stig. Stig, c'est le fils cadet du seigneur de ceux qui se transforment en animaux. Son père se transforme en ours. Son père, il est grand comme un ours, fort comme un ours, soupolé comme un ours. Et pour son père, la valeur d'un homme, c'est sa force physique. Sauf que Stig, il n'a pas de chance, il est né avec un pied beau, un pied tordu. Du coup, il n'est pas grand, il n'est pas fort, il n'est pas un guerrier, il est l'inverse de ce que son père aurait voulu qu'il soit. Et à cause de cela, il est complètement méprisé par son père et il n'a aucune place dans les affaires du clan. Alors, au lieu de s'intéresser au clan, il s'est intéressé, Stig, à toute la magie et à toutes les légendes de la clairière. La clairière, c'est un monde où les bardes et les conteurs passent de village en village, d'auberge en auberge, racontent comment le dieu de la clairière a fait s'élever les montagnes, comment est-ce qu'il a fait couler les fleurs, comment est-ce qu'il a fait voler les papillons. Et Stig, il est fasciné par tout ça, par toutes ces légendes. Et le roman commence, Stig vient d'avoir 20 ans, il est en âge de porter une épée, mais il est surtout en âge de se rendre pour la première fois avec son père, son frère et son clan à la fête de solstice. Et il est émerveillé par avance. Stig, son pouvoir, c'est de se transformer en corbeau. Et pour lui, se transformer en corbeau, c'est comme nous, aller acheter un livre chez Mola. Il fait ça très souvent. Et du coup, c'est normal. Mais comme les clans ne se mélangent pas, du coup, il n'a jamais vu les autres, il n'a fait qu'en entendre parler. Et imaginez rencontrer quelqu'un qui devine le destin des hommes, quelqu'un qui parle aux esprits de la clairière, ou quelqu'un qui voyage avec la nuit, c'est extraordinaire. Et surtout, cette figure du roi, qui est une figure légendaire dans la clairière, qu'il va enfin rencontrer. Il est émerveillé par avance. Sauf que, malheureusement, ça n'a pas du tout se passé comme il espérait. La mort va frapper le jour même de son arrivée à la fête de solstice. Et le roi, qui est très en retrait, très mutique, très impressionnant aussi, l'observe sans que Stig comprenne pourquoi. Et du coup, que passe l'hiver va raconter les 5 jours de la fête de solstice qui vont bouleverser à la fois le destin de Stig, mais aussi du roi, des clans et de toute la clairière. Stig, qui est le héros de ce roman, est un personnage qui peut être perçu un peu comme atypique. Ce n'est pas un super-héros. Stig, il a un pied beau. Il a la faiblesse du pied beau. Ce n'est pas un guerrier. Et c'est un personnage qui va un peu à rebours de ces grands héros, surtout en fantasy, du grand guerrier ou de la grande magicienne. Comme je viens de le dire, Stig n'est pas un super-héros. Ce que j'ai aimé dans ce personnage, et ce que j'ai voulu faire à travers ce personnage, c'est rendre hommage au courage que je trouve phénoménal des gens qui, justement, n'ont pas tout ou qui, au contraire, ont été très mal lotis. C'est très facile d'aller tuer un dragon quand on a une épée magique, qu'on a été entraîné depuis son enfance et qu'on est le fils du roi avec les bonnes potions ou ce genre de choses. C'est très, très facile. Et au final, est-ce que c'est courageux? Sans doute, mais je crois qu'il est beaucoup plus courageux que d'être quelqu'un né avec une difformité, quelqu'un qui est méprisé par son père, et pour autant, et malgré cela, et réussir à aimer son frère aîné, qui lui est le fils parfait. Il est comme son père, grand, fort, et en plus il est gentil, ce qui est le pire de tout. Stig ne peut même pas le détester. Et il fait l'effort de l'aimer, et il l'aime profondément. Forcément, il lutte contre la jalousie. Et il a dépassé ça. Et ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment de montrer que en faisant des efforts, et qu'il faut faire des efforts, et qu'on peut être une belle personne, malgré des fois ce que la nature nous a fait, et malgré aussi l'histoire que l'on peut avoir. Et ce qui me touche là-dedans, c'est que, en fait, je crois qu'on s'attache à des héros qui nous ressemblent. Stig, c'est quelqu'un qui a des failles, qui a des doutes, qui a des faiblesses. Moi, j'ai des failles, des doutes, des faiblesses. Et dans mes propres lectures, je préfère m'attacher, et je m'attache bien plus facilement à des héros qui ont des failles. Et je crois que c'est ce qui explique, alors que ce n'était pas du tout réfléchi. Je ne suis pas un auteur qui intellectualise beaucoup, j'écris beaucoup avec mes tripes. Je crois que c'est ce qui explique aussi pourquoi Stig, il plaît autant aux lecteurs. J'ai très souvent des retours de lecteurs qui me disent qu'ils ont beaucoup aimé Que passe l'hiver. J'en suis très, très heureux, mais surtout qu'ils sont extrêmement attachés à Stig. Et moi, ça me touche vraiment énormément.
Dans Que passe l'hiver, j'ai voulu apporter quelque chose du conteur. Je suis fasciné, émerveillé par les conteurs, ceux qui depuis des temps immémoriaux racontent des histoires au coin du feu, en veillée ou juste des fois en se promenant. Que passe l'hiver, c'est un roman qui est très teinté de mythologie nordique et j'aime beaucoup l'hiver. Et du coup, j'ai essayé de mettre dans ce roman des moments où les clans se rassemblent. Chaque clan se replie un peu sur lui-même et raconte son histoire, re-raconte son histoire au coin des grands feux, alors qu'à l'extérieur, il y a une tempête de neige, il fait froid, on ne peut pas les chasser. Et le clan se rassemble parce que c'est un roman qui est très dans la mythologie. Et la mythologie parle de quoi? La mythologie parle de là où on vient et de vers quoi on va. Et du coup, la fête de solstice, où les clans retrouvent le roi, c'est aussi l'occasion pour eux de se rappeler justement ça. D'où est-ce qu'ils viennent? Où vont-ils? Et quelle est leur histoire? Que passe l'hiver, c'est un roman de fantasy où la nature est omniprésente, la neige est omniprésente. C'est un roman qui peut être parfois un peu contemplatif. Je parle de feu, je parle de nature, de forêt, de grandes parties de chasse. Mais c'est un roman aussi dans lequel la mort est très très présente et la mort frappe régulièrement, très régulièrement. Il y a un côté, c'était pas du tout réfléchi, et on me l'a dit après, un côté un peu du petit nègre, où en fait les gens disparaissent les uns après les autres, et on se demande bien sûr qui peut être derrière ça et quelle peut être la raison de ces disparitions. C'était totalement conscient. Alors je ne travaille pas sur en me disant je vais faire un thriller, je vais faire de la fantasy, je vais tout mélanger. Ce que je voulais, c'est parler de la perte aussi dans ce roman. Je parle de la perte et je parle de quelqu'un qui devient de plus en plus seul, de quelqu'un qui perd des choses, qui en souffre. Et ça revient un peu à ce dont on parlait un petit peu au début tout à l'heure, c'est quand on est seul, quand on n'est pas aidé, quand on est faible, où trouver le courage de continuer? Comment trouver le courage de continuer? Quand on est à terre, comment trouver le courage de se relever? Et quand on trouve, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, c'est mort, c'est une sorte de dépossession, de style qui perd des choses, qui perd, alors je ne vais pas trop en dire, mais qui perd beaucoup. Et la question c'est, jusqu'où va-t-il pouvoir continuer et jusqu'où va-t-il pouvoir aller avant de tomber à son tour, et va-t-il tomber? J'ai le grand grand honneur, parce que c'est vraiment un honneur d'être coup de cœur des Imaginales cette année. Les Imaginales, c'est un festival qu'on est nombreux à connaître, c'est un grand festival de fantasy française, voire le grand festival de fantasy française. C'est un festival où je suis présent depuis 10 ans, donc je connais bien. C'est un festival qui m'a fait rêver avec des auteurs que j'ai découverts, que j'ai lus, que j'ai adorés. Et cette année, c'est moi qui suis à cette place-là. Ça m'a fait... ça m'a abasourdi, pour être tout à fait honnête, j'étais très 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 touché, très honoré, et je l'ai dit, c'est une énorme main sur l'épaule, c'est une manière de féliciter quelqu'un, de l'encourager surtout, et je l'ai pris comme ça. C'est comme si les Imaginales étaient personnifiés et me disaient « David, ce que tu fais, c'est chouette, continue à nous raconter des histoires ». C'est ça que j'adore. Et du coup, maintenant que j'ai été coup de cœur, je vais continuer à raconter mes histoires, essayer de le faire toujours mieux, toujours avec plus d'émerveillement, mais je suis quelqu'un de très émerveillé, en essayant d'apporter toujours autre chose au lecteur et de l'emmener en voyage avec moi. La lecture est un voyage, l'écriture aussi est un voyage. Voilà, essayons de partir encore plus loin ensemble.